peuple étranger, Juda est devenu le sanctuaire de Dieu. Israël a été son domaine. La mer l'a vu et s'est enfui. Le Jourdain est retourné en arrière. Les montagnes ont sauté comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mis pour t'enfuir et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers et vous, collines, comme des agneaux? Tremble donc, terre, devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob. Il change les rochers en étant le roc en source d'eau. Je vois encore Jean chapitre 14. Un petit enseignement, mais costaud. Verset 20, Jean 14, 20. Ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Amen. Ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. Ce jour-là, quel jour? Je vais un peu ouvrir les yeux de quelqu'un qui m'écoute, même ceux qui vont me suivre peut-être par les biais du net, parce que je vais mettre ce message, cet enseignement, pour aider ceux qui vont me suivre. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour chercher la délivrance, pour chercher la guérison. Il y en a qui se déplacent, il y en a qui vont aux États-Unis, il y en a qui vont en Afrique du Sud, il y a d'autres au Congo, il y a d'autres qui viennent à Bruxelles, ici à Roubaix, partout où il y a seulement un travail qui s'est fait de délivrance. Les gens s'y rendent. Pourquoi? Parce que le monde est aussi dans les problèmes, n'est-ce pas? Donc tout le monde souffre, tout le monde a besoin d'une solution, tout le monde a besoin d'une réponse quelque part. Même les autorités cherchent aussi la solution. Seulement l'orgueil de beaucoup les empêche d'aller voir les serviteurs de Dieu. Sinon, dans le champ, là où ils sont, ils nous regardent quand même. Ils voient que là-bas, il peut y avoir la solution pour moi, mais je ne peux pas m'y rendre parce que je suis un homme connu. Donc voilà un piège. Ils se sont mis dans le piège. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc si tu es au niveau de serviteur, tu n'auras pas peur d'aller chercher ta guérison, ta délivrance. Mais si tu es déjà connu comme étant une grande personne, un grand personnage, tu auras du mal à aller chercher ta guérison et ta délivrance. N'est-ce pas? Amen. Alors, or, la solution n'est pas loin de chacun de nous. La solution n'est pas loin de chacun de nous. Nous souffrons tous. Nous avons tous besoin d'aide. Mais l'aide ne se trouve pas loin. Puisque Dieu est omniprésent, Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, c'est-à-dire, ce Dieu-là est là, il sait tout, il voit tout, et il peut tout. Il peut te guérir même dans ta chambre. Il peut te délivrer dans ta maison. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens rejettent la connaissance. Osée 4 dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Je rejetterai tes enfants, les enfants de tes enfants jusqu'à la quatrième génération. Combien parmi nous aiment lire la Bible quand ils élèvent le matin? Combien parmi nous aiment prendre le temps de prier?
prier le matin chez lui ou chez elle avant de commencer à faire quoi que ce soit. Combien parmi vous nous consultons la parole de Dieu de la journée quand nous n'avons rien à faire? Les gens préfèrent aller consulter le net, les gens préfèrent regarder la télé, les gens préfèrent aller raconter n'importe quoi au téléphone. Je vois des femmes, surtout les femmes africaines, elles sont tout le temps au téléphone. En train de raconter n'importe quoi sur les gens, sur les autres. Aujourd'hui, le sujet du jour à la une, c'est les pasteurs. Les pasteurs sont à la une. Si ce jour-là, on n'a pas parlé contre un pasteur, leur cœur ne serait pas tranquille. Elle doit seulement chercher un pasteur qui va jeter des pierres ce jour-là. Et sur le net, on parle que contre les pasteurs, contre les églises. Et après, les hommes politiques sont devenus en deuxième position. Avant, c'était les hommes politiques et les musiciens. Mais aujourd'hui, c'est les pasteurs en première position, les hommes politiques derrière les pasteurs, et en troisième position, les musiciens. Eux-mêmes, on commence à les comprendre, on ne les condamne plus, c'est fini. Donc, ils sont devenus des héros. Hein? Même quand ils meurent, on va aller dans sa tombe, on va mettre le drapeau, il y a le président de la République qui vient, qui va reconnaître que ça c'est un héros. Qu'est-ce qu'il a fait de héros dans le pays si ce n'est que détruire la jeunesse? Quelqu'un qui a détruit la jeunesse, alors maintenant qu'il est mort, vous dites qu'il est héros. Donc, détruire les enfants là, c'est ça être héros. Vous voyez pourquoi le monde se perd? Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Puisque vous avez rejeté la connaissance, il dit, moi aussi je vous rejette. Et pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous. Acte 17 nous dit, il n'est pas loin de chacun de nous, mais il a tourné le dos parce que les gens aussi l'ont tourné le dos. Dieu ne va jamais courir derrière quelqu'un, un être humain charnel. Non. Il est là, il attend que tu reconnaisses ta faute, tu reconnaisses ton erreur, tu reconnaisses ta chute. C'est en ce moment-là que lui, il va t'approcher pour te délivrer. Alléluia. Amen. Le monde, comme j'avais parlé à Paris, le monde entier gémit. Le monde entier a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance aujourd'hui, de nos jours. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu. D'ailleurs, pour nous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, la délivrance est notre héritage. Nous en avons besoin. Amen. La création tout entière gémit et l'attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, dit la parole. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Même les gens qui se promènent avec des gros cylindres, détrompez-vous, ils sont chargés de problèmes, ils sont fatigués de leurs problèmes. Ils ont besoin de la délivrance. Tout le monde en a besoin. Jésus-Christ est lui-même Fils de Dieu, la Bible dit, dans Hébreux, qu'il poussait des cris à celui qui devait le délivrer de la mort. Si Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, qui n'avait point péché, il avait cherché sa délivrance auprès de son Père, combien plus vous et moi? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Et cette parole va nous aider beaucoup sur notre délivrance, pour notre délivrance. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand la famille de Jacob s'est éloignée d'un peuple étranger, Judas est devenu le sanctuaire de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes attachés au monde, l'Égypte symbolise un pays noir. Pas noir de la race, mais noir du ténèbre.
Aussi longtemps que nous sommes attachés à ce monde, aux choses de ce monde, nous ne serons pas le sanctuaire de Dieu. La Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Quand on dit temple du Saint-Esprit, cela veut dire là où la présence de Dieu se manifeste. Dieu qui est esprit, il a un endroit où il se manifeste. Amen. Mais Dieu ne peut pas se manifester dans un endroit qui n'est pas séparé du monde, qui n'est pas séparé du péché. Comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie? Comment veux-tu que Dieu te délivre de tes liens alors que tu es attaché aux choses de ce monde? Si tu vois dans ta vie, enfant de Dieu, si tu vois que tu préfères, tu es plus à l'aise quand tu regardes la télé ou tu es sur le net que lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Essaye de combattre cette chose-là. Donc, il y a un être qui n'est pas loin de toi, qui ne veut pas que tu vois clair. Parce que la Bible dit bien, la Bible est claire. Elle dit, vous connaîtrez la vérité. Mais quelle vérité? C'est la parole de Dieu. Comment et quand? Mais quand je lirai la parole de Dieu, je verrai clairement ce que la Bible dit. Et c'est en ce moment-là que je pourrai pratiquer la parole. Vous ne pouvez pas pratiquer la parole si vous ne voyez pas clairement ce que la Bible dit. Moi, je conduis. Mais je connais, je vis aussi beaucoup de chauffeurs qui ont du mal à utiliser le GPS. Ici en Europe. Quand j'étais à Paris, moi j'habite pas Paris, un frère de Paris qui devait aller avec moi chez un autre frère. Donc chez notre frère Panou, lui qui habite à Chelles, alors que nous étions à l'hôtel là-bas, donc à Champigny. Il m'a suivi parce que lui-même ne savait pas utiliser son GPS. Moi qui n'habite pas là-bas, je lui ai montré les chemins grâce à mon GPS. GPS. Grâce à mon GPS. Ah! J'ai dit, mais ce frère-là, comment il est? Un autre frère m'a dit, oui, moi aussi j'ai du mal à utiliser le GPS. La parole de Dieu est comme GPS. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous aurez du mal à pratiquer cette parole. Et comme vous ne saurez pas pratiquer la parole, vous ne verrez pas aussi votre liberté, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La parole de Dieu dit, Israël est sorti de l'Égypte. Il s'est séparé du peuple étranger. C'est en ce moment-là que Israël est devenu le sanctuaire de Dieu. Dans Jean 14, verset 20, il dit, en ce jour-là, quel jour? Le jour où tu vas te séparer de moi. Amen. Le jour où tu vas tourner le dos au monde, le jour où tu vas prendre la décision de laisser tomber ce copain et cette copine, le jour où tu vas prendre la décision d'abandonner le péché, c'est ce jour-là que tu deviendras le sanctuaire de Dieu. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que Juda est devenu le sanctuaire de Dieu. Israël a été son domaine. La mer l'a vu
s'est enfui. Si le Saint-Esprit habite en toi, maman, tes problèmes sont résolus d'avance. Amen, amen. Tu ne viendras plus m'importuner tout le temps. Pasteur, j'ai besoin de prendre rendez-vous. Va prendre rendez-vous avec le Saint-Esprit dans ta chambre. Parle-lui, dis-lui exactement ce qui est dans ton cœur. Amen. Parce que lui, le Saint-Esprit, on ne le trompe pas. Tu peux me tromper moi. Tu viens, tu me racontes autre chose. Mais dans ton cœur, tu caches autre chose. Et quand tu vas vivre ta vie dehors, tu vis autre chose. Mais le Saint-Esprit, lui, tu ne peux pas te cacher. Il voit tout. Il sait tout. C'est pourquoi les gens fuient le Saint-Esprit. Parce qu'ils savent qu'ils voient tout. Alors ils viennent auprès de nous afin que nous puissions intercéder en leur faveur. Moi, je dis, ce temps-là est fini. Amen. Jesus. Je veux montrer à tout le monde les chemins à suivre. Ici, nous recevrons des délivrances pendant la prière, pendant l'adoration. Nous verrons les gens ici recevoir les délivrances dans la facilité. Amen. Si seulement nous acceptons la vérité. Arrêtez de faire de nous des Ngunza. Nous ne sommes pas des Ngunza. Il y a une femme qui vient de critiquer Pasteur Tony, je vis la vidéo, avec la complicité d'un homme qui se nomme Pasteur. Cette femme a dit qu'elle était venue à Bruxelles et qu'elle avait du mal à marcher, elle a fait des sports de haut niveau, mais parce qu'elle a prié pour elle, après qu'on l'a forcé de témoigner. On t'a forcé de témoigner. Moi, j'étais là, nous avons vu tout ce que tu avais, une béquille, tu as jeté. Oh, de toute façon, cette béquille-là, j'allais la jeter quand même un jour, parce que le médecin avait dit seulement de le garder, juste pour m'appuyer, après. Mais quand tu l'as jeté, tu as montré à tout le monde que tu as bien marché. Amen. Et tu étais contente ce jour-là. Il n'y a personne qui t'avait forcé de témoigner. Maintenant, tu viens encore témoigner contre cette œuvre-là que Jésus a fait en toi. Une telle personne, c'est qui? C'est une servante du diable. C'est une servante du diable. Parce que quand nous témoignons, nous ne témoignons pas pour rendre gloire à un homme. Nous témoignons pour montrer au monde que Jésus est vivant. Il le met hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Jésus ne nous a pas caché la vérité. Il a dit, quand un esprit méchant est sorti de nous, il va, il part dans le lieu aride, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il va dire, je veux retourner dans ma maison où j'étais avant. Quand il va venir et qu'il va trouver la maison balayée et ornée, mais il n'y a personne qui protège la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la parole de Dieu dans cette maison, l'esprit méchant ne va pas rentrer tout de suite. Il va retourner cherchant cet autre esprit plus méchant que lui. Et Jésus a dit, la condition de cette dernière sera pire qu'avant. Et les gens regardent les témoignages de cette femme-là, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils insultent l'homme de Dieu, mais la situation de cette femme, elle dit elle-même que sa situation a empiré. Mais c'est ce que la Bible dit dans Matthieu 12, 43, 46. Ta situation doit empirer parce que tu fais partie d'une génération méchante, comme la Bible dit. Elle fait partie d'une génération méchante. Sa situation va encore empirer si elle ne vient pas demander pardon devant la télévision que tout le monde entend ce pardon-là. Moi, en tant que serviteur de l'Éternel, tu peux m'entendre, je dis, sa situation va empirer. Et comme elle a fait son association avec ce soi-disant pasteur-là, que ce pasteur-là la délivre maintenant. Puisque c'est lui qui dit qu'il est vrai, qu'il la délivre. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous sommes des éclaireurs. Nous devons vous montrer le
chemin. Si vous ne voulez pas faire ce que nous vous disons de faire, mais vous allez vous-même être responsable de votre vie ou de votre malheur. Éternel dit à Ézéchiel, dit, fils de l'homme, je t'établis sentinelle. Tu diras à ce peuple, tu les avertiras. Quand l'épée, l'ennemi viendra pour le surprendre, ou l'épée viendra pour le surprendre ce peuple, tu avertiras à ce peuple. Si le peuple ne t'écoute pas, l'épée le surprendra et son sang sera compté sur sa tête. Si tu ne les avertis pas et l'épée leur surprend, alors le sang sera compté sur ta tête. C'est pourquoi nous sommes obligés de vous avertir, de vous montrer le chemin. La délivrance n'est pas loin de chacun de nous. La délivrance, c'est Jésus qui délivre. Vous connaîtrez la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si vous refusez d'accepter cette vérité, mais vous allez perdre vous-même. Moi, j'ai déjà montré le chemin. Je ne serai plus coupable. Rien. Je vous dis chaque fois, je nous dis chaque fois. Je dis à vous et je dis à moi-même. Il n'y a pas de favoritisme dans la présence de Dieu. Dieu ne fait point de favoritisme. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde me connaît, évangélisme, quand tu fais des délivrances, que Dieu va me sauver, m'épargner pour ça. Non. N'est-ce pas qu'il est écrit? Beaucoup viendront, ils diront, nous avons chassé les démons en ton nom, guéri les malades en ton nom. Il dira, allez, tout ça, je ne vous ai jamais connu. Délivrer les gens, ce n'est pas ça qui va me sauver. Mais pratiquer le bien, amen, c'est ça qui va me sauver. Amen. Amen. Nous sommes appelés tous à pratiquer le bien. Amen. Mais c'est quoi pratiquer le bien? Il n'y a pas un autre bien si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Pratiquer le bien, c'est pratiquer la parole de Dieu dans son entièreté. La totalité. Dans sa totalité. Amen. Le péché, c'est comme du cycle. Il te flatte, il t'attire. Plus tu es attiré par les péchés, plus la mort t'attend derrière le péché. Vous comprenez? Fuyons le mal. Aujourd'hui, le péché est devenu, c'est bizarre. Autrefois, le péché était, pour trouver ça, il faut aller loin. Il y a certains péchés même, on les enfermait quelque part. Il y avait des maisons closes, des boîtes de nuit au fond du village là-bas. Vous allez voir une maison avec des lumières bizarres. Là, si vous voyez ça, ça c'est vraiment là-bas, c'est le péché qui se cache là-bas. Mais aujourd'hui, ça se trouve dans nos portables. Même si tu n'as pas tapé dessus là, lui-même le péché va apparaître devant ton ordinateur. Boum! Je vois, mais voici, tu ne veux pas de moi. Je ne suis pas cher, c'est gratuit. Maintenant, fuis-le. On te voit, sois fort. Hein? La génération de Jésus doit montrer ce mystère. Plus le péché apparaît sur l'eau comme ça, c'est-à-dire le péché vient vers nous facilement, plus nous devons courir vers la parole de Dieu pour nous cacher. Amen. À une vitesse. J'ai dit Jésus guérit les soucis. Amen. Alléluia.
Si tu n'as rien à cacher, tu ne vas pas considérer mon regard. Pourquoi mon regard te visite? Alléluia! Israël ne restera pas toujours sous l'esclavage de la sorcellerie. Israël, le Dieu, c'est-à-dire le peuple qui appartient à Dieu, ne resteront pas toujours sous l'emprise de méchants. Mais à une seule condition, que ce peuple se réveille. Ce sont des principes. Celui qui cherche Dieu le trouvera. Amen. Amen. Et la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais mettre ma main sur toi. J'ordonne sorcellerie, quitte la vie de ses frères. Quitte la vie de cette sœur. Qui s'est par ici? Qui es-tu? Ça ne sortira pas puisque ce n'est pas toi qui es venu chercher la délivrance. Mais moi, je veux que tu sois délivré. Mais comme ton cœur est bloqué, cette sorcellerie ne sortira pas. Même si j'ai l'onction qui te place dans la montagne du Himalaya. Hein? Vous voyez la montagne du Himalaya? Je peux la déplacer, mais chez toi, l'onction ne te délivrera pas. Parce que tu ne cherches pas Dieu, tu n'es pas encore fatigué de ton fardeau. Il dit à une seule condition, que tu sois fatigué de ton fardeau. Si tu vois que ton fardeau là, de la sorcellerie te fatigue, alors viens, dépose-le. Dis-moi, l'homme de Dieu, ça fait autant d'années que je porte cette sorcellerie en moi. Je ne l'avais plus. En ce moment-là, je m'adresserai à l'esprit de la sorcellerie. Je lui dirai, quitte. Et l'esprit de la sorcellerie partira. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez pour moi de fils et de filles, je serai pour vous un père. Vous voyez que le Père céleste va accepter que la maladie vienne détruire sa fille ou son fils. De Corinthiens, pour terminer. Chapitre 5, verset 17. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je vais le lire quand même, bien que le verset est dans ma tête. Mais je vais quand même le lire avant que je le trouve. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi si quelqu'un est en Christ? Cette parole rejoint le chapitre 14 de Jean au verset 20 qui dit en ce jour-là, quel jour? Le jour où tu vas te séparer du mal. Le jour où tu vas tourner le dos à l'Égypte, amen, tu deviendras mon domaine. Donc, je serai en toi et toi en moi. Tu deviens mon domaine. Amen. Comme tu deviens mon domaine, c'est-à-dire tu es en moi, mon domaine, c'est-à-dire tu m'appartiens. Et moi, j'habiterai au milieu de toi. C'est ça, Jean 14, 20, il dit en ce jour-là. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. Mais quel jour? Le jour où vous tournez le dos à l'Égypte. Et c'est ça que Corinthiens 5, 17 nous dit.
Si quelqu'un est en Christ, si tu tournes le dos à l'Égypte, au monde, tu deviens le propriété du Christ. Tu appartiens à Christ. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La condamnation est passée. Les actes dont les ordonnances te condamnaient sont passés. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Or, autrefois, tu étais cerné par des fleuves du Jourdain, des fleuves, je ne sais quoi, des montagnes, toutes sortes de montagnes qui s'élevaient contre toi. Mais le jour où tu es devenu l'habitation de Dieu, la Bible me dit, les montagnes se sont enfuies elles-mêmes. Le Jourdain s'est enfui, il a tourné le dos. C'est-à-dire le problème qui te tourmente, les maladies, la sorcellerie tourneront le dos le jour où tu prendras la décision d'abandonner le monde pour Christ. Amen. Moi, je crois que les chrétiens devraient avoir honte. Je termine par là. Je crois que les chrétiens devraient avoir honte. Un vrai chrétien doit montrer l'image de Jésus en lui. Vous savez pourquoi les chrétiens ont été appelés chrétiens? Ce n'est pas Jésus qui avait dit vous serez appelés chrétiens. Non. Jésus n'a pas donné le nom aux chrétiens, à ses disciples. Le nom des chrétiens à ses disciples. Non. Non. Ce sont les gens qui dehors. Après la résurrection, l'ascension du Christ, il y a eu la persécution. Et partout où les disciples partaient fuyaient pour fuir la persécution, et ils prêchaient la parole de Dieu là où ils allaient, et ils opéraient des miracles par le nom de Jésus-Christ, et ils se faisaient des grands miracles, des grands prodiges. C'est dans ce moment-là que les gens ont vu ces choses. Ils ont dit, ah, ce sont des chrétiens. Voilà là où le nom des chrétiens a commencé. Mais aujourd'hui, on ne voit pas l'œuvre du Christ dans la vie des gens. On voit des théologiens, des gens qui viennent avec de longs français. Mais au fond, il n'y a rien. Quand Jésus prêchait, il guérissait les malades. La Bible dit qu'il passait son ombre et guérissait les malades. Amen. Pierre est venu, il a fait la même chose. Il était devant la portique de Salomon et Dieu paraît-il, nous n'avons ni or ni l'argent. Ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais pourquoi aujourd'hui vous nous amenez que des paroles sans action? Tu ne peux pas te dire toi-même que je suis chrétien. Non, laisse les païens te dire ce que toi tu es. Amen. Qu'est-ce qu'ils voient en toi? L'Église est remplie aujourd'hui de païens et non de chrétiens. De mendiants et non des fils. Les vrais fils, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dans les œuvres. Jésus regarda ses disciples et dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité. Amen. En mon nom, vous chasserez les démons. Tu viens prêcher. Tu as fini de prêcher, tu ne chasses pas les démons. Demain, quand tu viens prêcher, tu ne chasses pas les démons. Les chrétiens dans ton église sont remplis de démons. Tu leur dis que tu as reçu Jésus, c'est fini. Jésus est comme tu es venu en toi. Les démons sont partis. Oh, c'est quoi cette théorie-là? Depuis que tu es chrétien, ta vie ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comment pourras-tu convaincre ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ de suivre ton Dieu? Qu'est-ce qu'il voit en toi? La gloire de Dieu ne se voit pas en toi. Est-ce que tu es le domaine de Dieu ou tu ne l'es pas? Donc, toi aussi.
délivrance ici. Est-ce que ta délivrance demeure jusqu'à aujourd'hui? Tu ne l'as pas perdue. Parce qu'on nous accuse là-bas que nous faisons de fausses délivrances. Viens, dis-leur à la télé là-bas. Et puis quand Dieu t'a délivré ce que tu avais, dis ton témoignage. Peut-être ça peut sauver quelqu'un. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. En fait, j'étais venue ici avec une de mes tantes qui venait de Stockholm. Ça fait combien de temps déjà? 4 mois. 4 mois. Oui. Et quand on était là, en fait, avant je disais à ma mère que j'avais très mal à mon pied, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Pour moi, je me disais c'est le volant parce que j'ai l'habitude de faire des longs trajets. Mais quand je suis arrivée, l'homme de Dieu m'a dit non, il y a un serpent qui reste sur ton pied et tout, qui fait que tu aies cette douleur-là. Et ce serpent-là qui réside dans ton pied fait que tu as tout le temps les problèmes, tes finances et tout, il n'y a rien qui va dans ta vie. Et quand il m'a dit ça, j'ai senti mon pied commencer à trembler et tout. J'essayais de me retenir et tout, mais je n'avais pas cette force-là de retenir mon pied. Et quand il a prié, j'avais plus du tout mal. Ça faisait un bon bout de temps, je ne mettais plus de talons. Je mettais que des ballerines et tout parce que j'arrivais plus à mettre des talons, j'avais vraiment mal. Même quand j'étais sur le volant et tout, j'avais mal. Mais depuis, je mets des talons, je mets tout ce que je veux, je peux marcher des heures, j'ai pas mal. Donc je continue à témoigner même sur Facebook, j'arrête pas d'écrire et tout. Parce que Dieu agit puissamment, il agit vraiment. Il n'y a personne qui m'a forcé à venir témoigner. J'ai eu un cancer de sein, pasteur Tony a prié pour moi. Je suis guéri, j'ai plus rien. Amen. Il attachait. En fait, quand lui dormait, moi je mettais mon pied entre ses cuisses et il devait appuyer très fort pour que je n'ai pas mal. Ou soit je prenais des lacets pour attacher mon pied pour ne pas avoir mal. Depuis la Sainte-Sainte, tu ne le fais plus. Non. Donc tu es libre. Oui. Acclamons le Seigneur. Amen. Lève tes deux mains, maman. Lève ces mains, tu devais. J'ai déjà entendu tous tes problèmes au bureau. Je ne te demanderai plus rien, mais je veux que tu fermes les yeux. Est-ce que tu es baptisé? Comment tu as été baptisé? Immergé dans l'eau. Immergé dans l'eau. Alors ferme tes yeux. J'ordonne à tout esprit méchant qui vient comme mari de nuit contre cette chambre de la lâcher tout de suite au nom de Jésus de Nazareth. Sous son pied gauche, il y en a un qui est sous son pied gauche. Il va sortir par les orteils maintenant même. Au nom de Jésus, come out! Sors par les orteils. Sors par les orteils. Non, de Jésus. Sors par les orteils. Non, de Jésus. 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 Come! Come! Out! Acclamons le Seigneur. In the name of Jesus, in the name of Jesus, il y a quelque chose dans son tête, dans sa tête, dans son cerveau. Father, in the name of Jesus, c'est comme un filet. Je le délie tout de suite. Qu'elle sorte de ce filet satanique sur sa vie. Acclamons le Seigneur. Maman, j'ai vu quand j'ai prié, comme si c'était chez elle. C'est comme si c'était quelque chose qui est dans votre famille. Avant que le pasteur me dise, je regardais son pied, j'ai vu comme s'il y avait son ongle doublé et ça repartait, son ongle doublé et après j'ai commencé à regarder, mais c'est quoi ça, elle a toujours des longs ongles comme ça. Et directement quand l'homme de Dieu a dit ça, j'ai regardé, maintenant j'ai dit, c'est ce que je suis en train de voir moi. Alléluia. Donc Dieu t'a donné le don de voir, donc faut seulement les perfectionner. Plus tu prieras, plus tu liras la parole de Dieu, plus tu verras clair. Viens. Et toi-même, tu sens quoi dans cette jambe gauche? Qu'est-ce que tu sens d'habitude? Là, en tout cas, là maintenant, je sens mieux. Parce qu'avant, je sentais que c'était vraiment lourd. C'était lourd. Acclamons le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la délivrance.
délivrance. Être délivré, c'est bien. J'avais mais. Hein? J'avais toujours le chien qui me faisait très mal. Ça te faisait très mal. Mais c'est ça. La chose était là. Amen. Est-ce que tu m'as déjà bien vu avant? C'est la première fois que j'ai. Elle disait même que quand elle avait mal, elle disait, ah non, c'est parce que j'ai beaucoup dépassé. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai beaucoup mangé, parce que j'ai beaucoup marché. Tu disais toujours ça. Or, c'était le lien qui était là, le serpent qui était là. Maintenant, préserve ta délivrance. Être délivré, c'est une chose. Mais préserver la délivrance, c'est une autre chose. Je t'ai montré le verset où Jésus a dit, si un esprit méchant sort d'une personne, il va dans le lit aride cherchant du repos, il ne trouvera quoi. Il va se dire, je retournerai dans la maison où j'étais avant. Et s'il retourne, il voit que tu ne pries pas. Il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu en toi. Alors, il va dire, je vais chercher cet autre esprit plus méchant, afin de rester éternellement dans ce domaine. Mais la parole me dit, tu es une nouvelle créature. Que Jésus-Christ te protège, te garde. Et l'huile du Saint-Esprit combat en ta faveur. Amen. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur.